Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et que vous êtes en pleine forme. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale. Donc on va voir ensemble les messages que j'ai à vous transmettre concernant la personne à qui vous pensez. C'est une guidance qui est bien sûr générale, donc forcément ça ne pourra pas parler à tout le monde. Vous prenez uniquement ce qui vous parle et vous faites preuve de discernement. Donc comme toutes les guidances, mes guidances sont intemporelles. Donc si vous tombez sur cette vidéo, il n'y a pas de hasard, c'est qu'il y a forcément un message pour vous dans cette guidance. Merci à toutes les personnes qui me suivent, merci à mes fidèles abonnés et je souhaite la bienvenue aux nouveaux. Si vous souhaitez une guidance personnalisée ou un soin énergétique Laoshi, vous retrouverez toutes les informations sous cette vidéo. Alors, on est parti, on va commencer la guidance avec la rose de Maman-Marie. Ouf, alors, ça parle tout de suite. Bon, on vous dit, ne t'inquiète pas, une situation t'inquiète, respire, tout va bien se passer. Et on nous parle ici de richesse, d'abondance. L'abondance arrive à toi car tu es un être magnifique. Tu as la capacité d'attirer la prospérité car tu es aimé grâce à ta générosité. Donc là, on vous parle d'abondance qui arrive à vous. On vous dit de ne pas vous inquiéter, tout se met en place. Si vous vous inquiétez par rapport à une situation, on vous dit que là, voilà, tout va bien se passer, donc pas d'inquiétude. Soyez zen. Alors, on va aller voir la suite. On va voir un petit peu avec l'oracle de l'instant T, l'oracle de l'instant T amoureux que vous pouvez retrouver sur Etsy. Donc j'ai reçu ce nouvel oracle aujourd'hui. Donc on va aller voir un petit peu ce qui ressort au niveau sentimental. Allez, c'est parti. Alors, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, quels sont les messages à faire passer? Alors, ici, on a la trahison et le désir. Bon, on a quelqu'un ici qui vous désire énormément. On nous parle d'attraction, de désir, d'envie. C'est quelqu'un qui vous désire énormément, mais je ressens de la trahison. Il y a eu de la trahison de la part de cette personne. Peut-être que vous vous sentez trahi parce que cette personne est déjà en couple. Donc, ça peut être. Peut-être que pour certaines d'entre vous, vous êtes dans une relation triangulaire et du coup, vous ressentez de la trahison parce que cette personne est déjà en couple. Mais en tout cas, voilà, on vous dit que cette personne vous désire toujours autant. Cette personne est attirée à vous. Ici, avec la carte de la magie, on vous dit la magie est dans cette relation, saisis ta chance. Donc, on a quelqu'un qui va de toute façon saisir sa chance. Donc, pour moi, on va développer, mais pour moi, cette personne va revenir vers vous, va vous recontacter. On va voir ce qui se passe après. Mais en tout cas, voilà, il y a beaucoup d'amour entre vous, beaucoup d'attirance, de désir, d'envie. Vous êtes complémentaires en fait, hein, vous. Quand l'autre n'est pas là, vous vous sentez vide, vous ressentez un énorme manque en fait. Mais cette personne, c'est pareil. Bon, on vous dit, voilà, quoi qu'il en soit, ne vous inquiétez pas. On vous dit, tout va bien se passer. Il y a de la magie qui arrive. On va continuer avec l'oracle pastel. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus concernant cette personne, concernant votre relation? Qu'est-ce qui va se passer pour vous? Oui, on vous dit oui, on vous dit c'est le bon moment. Donc voilà, encore une fois, ne vous inquiétez pas. Si vous vous demandez si votre hôte va revenir vers vous, si elle va reprendre contact, etc., on vous dit oui, c'est le bon moment. Donc là, ça va être pour très bientôt. Peut-être aussi que vous vous demandez si cette personne est attirée à vous, si elle vous aime, si, voilà, si elle ressent
du désir pour vous, on vous dit oui. Ne doutez pas, cette personne vous désire, cette personne est attirée à vous. C'est quelqu'un qui a eu un coup de foudre pour vous dès le premier regard. Dès la première fois où vous vous êtes rencontrés, cette personne, son cœur c'est emballé en fait. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Alors, avec la carte de l'échec, on nous parle de quelqu'un peut-être qui est dans une relation en ce moment qui est voué à l'échec, tout simplement. C'est quelqu'un peut-être qui ne voit pas d'issue par rapport à sa relation qu'il entretient avec une tierce. Ou peut-être que vous, de votre côté, vous avez l'impression que ça n'avancera pas avec votre autre, que c'est voué à l'échec, parce qu'il y a eu de la trahison. Ou alors tout simplement parce que cette personne est déjà en couple. On vous dit, de toute façon, il y a de la magie qui arrive. On nous parle d'abondance, de magie. On vous dit de rester zen. Donc, il y a quelque chose de beau qui arrive. Oui, il y a de l'amour. Beaucoup d'amour entre vous. On nous parle d'attachement. Avec les deux signes, on nous parle pour certaines personnes d'union. Donc là, on a quelqu'un qui souhaite un bel engagement avec vous. Parce que de toute façon, les sentiments sont réciproques. Il y a beaucoup d'amour entre vous. Alors, on va continuer avec l'oracle message d'amour. Non, je vais prendre le petit oracle, l'oracle des amoureux. Quel est le message, s'il vous plaît? Alors, on nous parle ici de réflexion. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Alors, encore une fois, on vous dit, ayez confiance, tout va fonctionner pour le mieux. Il y a de la magie dans cette relation. Votre relation est magique, cet amour est magique. Et on vous dit... Si vous vous demandez si votre autre vous aime, on vous dit oui, cette personne vous aime. Les sentiments sont réciproques. On nous parle également d'attachement, donc cette personne est attachée à vous. Et pour d'autres personnes, si vous vous demandez si cette personne, si votre autre veut un engagement avec vous, on vous dit oui. Voilà, ne vous inquiétez pas, puisque là, il y a de la magie qui arrive à vous et on nous parle d'abondance. On a la carte aussi de l'unité. On vous dit à travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Et en dodo deck, on a encore la confiance. Hein. On vous dit la transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Donc il y a des bonnes nouvelles qui arrivent pour vous. Alors, on va terminer avec le petit oracle des âmes amoureuses. Pour moi, c'est quelqu'un qui avait besoin de réfléchir, peut-être par rapport à un choix, peut-être aussi par rapport à ce qu'il ressent. Enfin, voilà, il y avait des choses à régler dans sa vie. En tout cas, il y a beaucoup d'amour entre vous, cette personne est attachée à vous. Voilà, même s'il y a eu de l'infidélité... On voit qu'il y a eu de la trahison hein, par rapport à cette situation, mais on vous dit qu'il y a beaucoup d'amour entre vous. Alors, avec le petit oracle des âmes amoureuses, qu'est-ce qu'on peut avoir comme message? Avoir un enfant avec toi, que ce soit un enfant ou un projet qui sera notre bébé, c'est une envie qui illumine mes pensées. Ce serait merveilleux. Je ne sais pas encore si cela pourra se concrétiser, mais en tout cas, je ne suis pas contre. Et en dodo deck, je souhaite notre réconciliation. Je souhaite être avec toi et avoir des échanges harmonieux, des contacts fondés sur la confiance et l'authenticité. Je ne veux plus de faux semblants ou de non-dits. Je veux être bien avec toi. Donc là, on a quelqu'un qui a envie de se réconcilier avec vous, qui a envie que les choses s'améliorent entre vous. Parce que de toute façon,
Vous êtes attachés l'un et l'autre et il y a beaucoup d'amour entre vous. Je vais terminer, les amis, avec une petite carte conseil avec le petit oracle de l'intuition. Allez, quel est le petit message conseil? Légitimité et confiance. Ça ressort beaucoup, hein, le mot confiance, hein, dans cette guidance. On vous dit « et confiance, tous les succès te sont dus et peuvent se concrétiser. Fidèle à tes valeurs et à tes rêves, tu as le droit de réussir ce qui te tient le plus à cœur. » Donc, confiance, les amis. Merci pour votre présence, merci pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse. À très vite.